Ohayou gozaimasu. Il me fait plaisir de vous présenter ce nouveau vidéo de Skip Boss. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le regarder que j'ai eu le plaisir à l'exécuter. À plus tard. Le championnat du monde qui a eu lieu cette année à Nagano a été une compétition extraordinaire pour moi parce que c'est le site des Jeux olympiques. C'est un endroit d'une grande beauté où les gens qui sont venus nous encourager étaient des connaisseurs et participaient beaucoup à la course également. Alors même s'il y avait ce petit problème à l'épaule qui me tourmentait un peu, j'avais des tapings sportifs qui étaient appliqués à tous les matins, faisant en sorte que mon bras était très limité dans les mouvements qu'il pouvait faire. Par contre, je pouvais quand même exécuter les mouvements qui étaient nécessaires pour justement faire les sauts et pouvoir maintenir une bonne position lors de la descente dans les bosses. La compétition du championnat du monde est une compétition qui est extrêmement énervante pour les compétiteurs parce qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur. C'est une compétition d'un jour et on peut se retrouver bien bas dans le classement justement devenant une erreur aussi minime soit-elle. Donc, la préparation, la concentration se doit d'être à son maximum, à son apogée pour cette journée. On a joué un peu un petit tour de passe-passe avec l'équipe canadienne, avec mes coéquipiers Stéphane Rochon et Dominique Gauthier, parce que nous nous sommes qualifiés du côté gauche du parcours. Un parcours qui était beaucoup plus bosselé dans la partie centrale et dans la partie gauche. C'était un peu un handicap pour nous au niveau du saut du bas dans ce même parcours-là, étant donné qu'il y avait plusieurs bosses et les endroits pour atterrir étaient plutôt difficiles. Alors, pour la finale, nous avons simplement décidé d'aller complètement à droite, à l'extrême droite, un parcours qui n'avait pas vraiment été skié, donc les bosses étaient beaucoup plus petites. Et nous avons fait des passages, nos derniers passages de la séance de qualification, la veille de la finale, ont été excellents. On a fait simplement 2 ou 3 passages, mais on a tout de suite eu un bon feeling vis-à-vis ce parcours-là, alors qui nous permettait, entre autres, d'aller très haut sur le saut du bas, ce qui permettait de réduire notre temps que nous prenions pour descendre la piste. Ça a été une tactique qui a porté énormément de fruits parce que dès le matin, nos entraînements se sont extrêmement bien passés, la foule réagissait bien. We're ready for bib number 3 from Canada. This is Jean-Luc Brassard. Stand by. 3, 2, 1, go! Ce que j'ai beaucoup aimé de cette compétition, c'est que lors de ma descente finale, il y avait beaucoup d'acuité, c'est-à-dire que je sentais beaucoup mes mouvements. J'allais très vite, mais du fait que j'étais très concentré, ça me permettait de sentir que tout allait très tranquillement aux alentours de moi. Alors malgré ma vitesse, tout allait lentement. J'avais le temps de voir sans vraiment savoir ce qui se passait. Je voyais avec une vision à 180 degrés. Ce qui me permettait de sentir exactement tout ce qui se passait dans mon environnement et qui me permettait aussi d'avoir le temps de bien sentir ma descente. Et ce feeling-là était extraordinaire. D'ailleurs, lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée, mes premières pensées ont été simplement « je voudrais recommencer tout de suite, je voudrais refaire une descente tout de suite » et non pas savourer le pointage que les juges me donnaient à ce moment-là. Mais j'ai tellement eu de plaisir à descendre à la pente que j'aurais voulu recommencer immédiatement après, juste pour mon propre plaisir. Alors, c'est extraordinaire lorsque dans les grandes compétitions comme les Jeux olympiques et les championnats du monde, on arrive à faire une descente qui nous apporte extrêmement beaucoup de choses et qui devient finalement un jeu beaucoup plus qu'un enjeu. Alors pour ça, aux championnats du monde, j'en garde un souvenir extraordinaire. Par contre, le fait de gagner cette épreuve pré-olympique-là, ça augure certainement une pression supplémentaire en vue des Jeux olympiques.
mais c'est pas grave, ça valait la peine. Je regrette absolument rien. Ça a été des moments mémorables. Les gens, les spectateurs ont beaucoup participé avec nous. Et puis, le fait que Stéphane et moi avons été sur le podium avec, avec Jasper, ça a été, je crois, un beau podium. On a donné un bon spectacle et on souhaite en donner un aussi bon pour les Jeux olympiques. Faire de la compétition, c'est évidemment quelque chose de fabuleux parce que ça nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos capacités, surtout d'avoir avant tout s'amuser. Sauf que des fois, ça devient très intense et puis à ce moment-là, il faut savoir faire le vide un peu. Différents athlètes ont différents moyens. Pour moi, simplement prendre une belle marche dans la nature, près d'une rivière, dans le bois, c'est un moyen d'être en contact avec des choses qui sont très stables. Ça permet de me concentrer puis de permettre de continuer encore plus fort pour les prochaines compétitions. Lorsqu'on arrive sur une pente de ski, aller immédiatement dans les bosses peut sembler légèrement compliqué. Par contre, on peut facilement pratiquer la technique de bosse sur les pistes ordinaires qui sont travaillées mécaniquement. Une de ces techniques-là importe de faire des virages au rayon et enchaîner avec des pivots très rapides. Parce que dans les bosses, quelquefois, pour conserver notre ligne de pente, on se doit de tourner non plus dans les creux des bosses, mais bien au-dessus des bosses. Et à ce moment-là, le pivot va nous aider justement à conserver cette ligne de pente et souvent, justement, avoir le contrôle sur la pente et non pas que la pente ait le contrôle sur nous. Aussi, au niveau de la technique, la venue des compétitions en parallèle, des duels, a fait en sorte que la précision et l'acuité des mouvements est légèrement mis de côté pour pouvoir permettre d'aller de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'on néglige la finesse pour y aller d'une manière qui est un peu plus brusque, mais qui nous permet de gagner du temps lorsqu'on exécute nos descentes. Ce sont des changements auxquels il faut s'adapter et au cours des saisons estivales, parce que pour nous, le meilleur moyen de s'entraîner, c'est durant l'été, sur les glaciers. Alors, on va pratiquer justement ces nouvelles techniques pour faire en sorte qu'on soit au maximum de notre forme lors de la prochaine saison de Coupe du Monde, qui va être une année olympique.
Cette année en Coupe du Monde, surtout au niveau des sauts, on a vu des changements majeurs. Les acquis, comme prendre appui avec les bâtons, ainsi qu'avoir un excellent équilibre à la sortie des sauts, semblent tomber peu à peu. C'est-à-dire que maintenant, on utilise plus les bras pour maximiser la hauteur que l'on peut atteindre pour avoir une meilleure amplitude au niveau des manœuvres. Pour l'année qui vient de se terminer au niveau des Coupes du monde, l'année 96-97, c'était un peu une année baromètre pour moi, dans le sens où l'été précédent, je me suis plus ou moins entraîné pour faire changement de ce que je faisais habituellement. La raison pour laquelle, c'est que j'étais un petit peu tanné de skier, puis je voulais garder la passion bien vivante pour être en mesure de faire des bons résultats. Alors, le fait que je m'entraîne un peu moins, mais ça crée un peu d'insécurité, et surtout, c'était un élément qu'il fallait que je prenne en considération, parce que mes adversaires, eux, je savais qu'ils étaient bien entraînés et je pouvais simplement compter un peu sur mon talent puis mon expérience pour faire la différence. Donc, dès le début de la saison, j'ai quand même fait une approche qui était relativement calme. J'ai bien réussi à certaines courses en début de saison qui m'ont légèrement mis en confiance. Et la différence, cette année, j'avais une thérapeute qui était avec moi, une professionnelle de l'ostéopathie pour pouvoir fignoler les petits bobos qui peuvent être engendrés au fil des compétitions. Alors, ça m'a beaucoup aidé durant la saison, parce que j'ai engendré quelques petites blessures qui auraient pu devenir très graves au fil de la saison. La compétition en duel de Ting est évidemment, je crois, un des faits marquants de ma saison parce que j'avais vraiment aucune attente vis-à-vis ce type de compétition-là en duel. Je ne savais pas comment j'étais pour y figurer, mais cette journée-là, les conditions y étaient très propices. La neige était belle, il y avait possibilité d'exécuter de beaux sauts et surtout, j'avais vraiment une attitude positive, une attitude gagnante en vue de cette course-là. Je laissais le tout aller, j'avais du plaisir à skier, il faisait beau. Je m'amusais à faire des passages spectaculaires, je me sentais bien et ça m'a mené directement à la victoire, à ma grande surprise. J'aurais aimé pouvoir bien y performer à toutes les autres courses en duel de cette manière-là, mais malheureusement, peut-être un problème d'attitude, peut-être une approche aux courses qui n'était pas suffisante à ce moment-là. Mais le premier duel de la saison à Ting, celui que j'ai remporté, c'était évidemment une course que je vais me souvenir pendant un petit bout de temps. La victoire pour Jean-Louis Brassard de Canier avec 1.15. La compétition en duel est par contre extrêmement spectaculaire, peut-être beaucoup plus que la compétition en simple, du fait qu'on a un adversaire direct. Donc, pour les spectateurs, c'est un spectacle supplémentaire. Pour nous, c'est un niveau de stress supplémentaire. En descendant, pour nous, quelquefois, il arrive qu'on est tellement à la limite que je me rappelle, durant l'hiver dernier, ma vision est un peu comme une mauvaise télévision où l'image saute. C'est-à-dire que j'arrivais plus à voir ce qui se passait parce que ma vision bougeait beaucoup trop et j'avais de la misère à simuler un peu ce qui se passait. Aussi, on se fait peur à la vitesse à laquelle on rentre dans les sauts parce qu'on peut simplement sauter certaines distances. Et pour atterrir à la bosse suivante, ça prendrait vraiment une vitesse excessive, ce qui augurait peut-être un certain danger. Alors, pour avoir les bonnes distances, les bonnes longueurs, il faut qu'on rentre à une vitesse qui est très précise au niveau des sauts. C'est unique revenir ici. Quand je reviens de voyage,
j'adore revenir ici. Parce que j'ai appris en voyageant que l'air sentait bien différent dépendant des saisons, mais il y avait une senteur à l'air ici qui était unique. Parce que moi, j'ai fait le plus gros de mon entraînement à l'extérieur des gyms. Maintenant, bon, je le perfectionne dans des gyms pour les petits appoints, là. Mais la plupart du temps, j'ai fait mon gros de mon entraînement avec peu de choses, avec des souliers de course et tout. C'est le seul équipement que j'avais besoin. Et puis aujourd'hui, bon, on était dans un environnement qui était tout ce que plus simple. On avait juste besoin des souliers et un maillot de bain pour pas être tout nu, c'est tout. Puis on s'est amusé comme des fous. Ouais, c'est ça. L'île en arrière, bon, je faisais de la course, je courais sur les roches, je faisais du cardiovasculaire, je faisais mes poids et haltères, je faisais la natation, je faisais un paquet de choses ici dans mon environnement, puis c'était tout à portée de la main. Mais ça, on le retrouve. Des fois, je partais à vélo. Des fois, j'arrêtais dans des parcs, des petits parcs municipaux de ville pour faire 3-4 exercices à partir des dispositions qui étaient adéquates là-bas. Puis, c'était bien le fun. T'sais. Ça prend pas, faut pas se passer à la tête avec ceux qui se plaignent, oh, on n'a pas d'infrastructure de ci, de ça. Mais voyons donc, pas besoin d'infrastructure de fou non plus. Là. Ouais, j'ai toujours habité ici, j'ai toujours entendu la chute, j'ai toujours entendu ce bruit de fond-là, j'ai toujours entendu l'eau tomber. C'est sans doute pourquoi j'ai toujours été impressionné par les chutes. J'ai toujours aimé entendre ce petit son qui est omniprésent, mais qui est calme. C'est pas un son qui est agressant. Pour moi, c'est trop ça extraordinaire. Puis une chute d'eau, c'est toujours de toute beauté. C'est toujours de voir comment l'eau modèle le paysage. C'est toujours très beau. On s'en va sauter, tralali la l'air. Eh bien, nous avons la solution pour vous. Regardez, ici nous avons un étalage. Parce que les trophées prennent trop de place. Fait qu'on les a mis dans le coin, en bas, dans le sous-sol. Comme ça, il n'y a qu'un pour personne. Son bain, là, regarde son talon, juste un petit peu de poussière, là, mais ça, c'est des choses qui arrivent, tu sais. On a ici une médaille olympique, médaille d'or. Ceux-là, je suis allé voir au dépanneur pour en avoir, mais c'est bien dur. Il n'y avait pas. J'ai dit, ben, on change. J'ai dit, regarde, j'ai quand même 25 cents, là. Pour moi, il va avoir quelque chose de beau. Puis ils m'ont donné un petit collier à bonbons en élastique à la place. C'est aussi bon, c'est juste que c'est moins... Ça flash un peu moins. Ça casse pas. Ici, on a la mère du champion olympique, qui, après avoir vu la médaille, est maintenant très engagée dans ses confitures aux tomates. C'est quoi la recette? Spaghetti. Spaghetti. Sauce à spaghetti. Ouais. Le pire, c'est que lui, quand il mangeait du spaghetti sans sauce. C'est ça. Quand avant, t'étais plus quand jeune. Quand j'étais jeune. Ah oui. C'est vrai, je pense c'est juste avoir... dernièrement que tu manges du spaghetti. Tu touches ça, là? Oui. Moi, j'espère qu'on va l'avoir dans la télé. En compétition en simple, l'approche est différente. Il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus propre lorsque l'on descend, éviter de faire des erreurs ou bien non des écarts de position qui peuvent nous coûter beaucoup de points. Aussi, les vitesses sont légèrement moindres du fait qu'on vise plus la perfection. C'est un type de compétition qui me convient beaucoup parce que j'aime beaucoup être très propre en descendant. J'aime beaucoup avoir beaucoup d'acuité dans mes mouvements, des mouvements très précis en descendant, et essayer d'exécuter le plus près de la perfection possible les différents types de mouvements que l'on exécute dans les airs. Mais peut-être ceux qu'on se rappelle un peu plus, c'est évidemment la descente à Oumphalette, qui n'était peut-être pas la meilleure descente de ma vie, mais à tout le moins, cette troisième position-là me permettait d'accéder au globe de cristal, qui est peut-être le but recherché, le trophée recherché par tous les compétiteurs, qui est l'emblème du skieur le plus régulier durant la saison. Et ça me prenait justement ce type de performance-là, ça me prenait un podium pour pouvoir conquérir ce titre-là. Et malgré le stress, malgré un peu la pression qui y régnait au départ,
J'ai réussi à faire une descente qui était assez acceptable pour me permettre d'arriver sur la troisième marche du podium et surtout pouvoir conquérir le titre. En compétition, la rivalité vient d'abord de nous-mêmes. C'est pour ça que nos adversaires directs, les autres compétiteurs, on s'en fout un peu. Parce que c'est pas le temps de commencer à penser aux autres lorsque vient le temps de faire une descente pour nous-mêmes. Il faut d'abord vaincre ses peurs, ses angoisses, les doutes qu'on a créés par rapport à la compétition et surtout ne pas perdre notre confiance en soi. C'est ce qui fait le secret des bonnes performances. Ce qui est bien agréable dans les skis de boss, c'est que ça nous permet vraiment d'aller au-delà de nos propres limites. Et c'est ce qui, personnellement, m'apporte le plus de satisfaction. C'est quand je fais une descente et vraiment je sais que je ne peux pas faire mieux. Maintenant, je suis rendu un peu au point où la victoire, c'est plus vraiment ce qui compte. L'important, c'est d'essayer de toujours aller plus loin. Chaque fois que j'ai l'occasion en compétition de faire une descente, c'est de toujours essayer d'en faire un peu plus. Et puis de toujours essayer de rendre ça spectaculaire, puis de vraiment sentir que je suis sur la corde raide et puis je reste toujours en équilibre, même si souvent je chancelle d'un côté ou de l'autre. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction compétitionner de ce côté-là. Mais aussi, ce qui est agréable, c'est pas juste de skier les bas, c'est simplement de profiter de la montagne. C'est beau. Ça nous ouvre des points de vue extraordinaires. Faire du ski d'été, c'est spécial aussi dans les différents entraînements. Je crois que le ski de boss va continuer à évoluer de plus en plus. Souvent, on a essayé d'être les pionniers par le passé. On a établi avec Sergei, avec Edgar, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, des nouvelles vitesses, des nouveaux standards, quoi. Et puis, ça sert un peu de repère pour les plus jeunes qui bientôt vont prendre notre place, qui vont prendre le relais, qui vont prendre le flambeau, et ça va être très bien comme ça. Le sport est spectaculaire, le sport est haut en couleur, les gens apprécient, les gens peuvent voir la totalité d'une descente. Avec la venue des compétitions en parallèle, en duel, voilà qui va rehausser, je crois, encore l'intérêt des spectateurs. Et puis nous, ça va toujours nous pousser, nous dépasser. Et on va en venir, je crois, à pouvoir peut-être même absorber presque 3 bosses à la seconde d'une manière régulière, ce qui est chose qui est encore difficile à accomplir en ce moment. On est dans une moyenne de 2 à 2,5 bosses à la seconde. Donc, avec la venue des compétitions en duel, avec l'adversaire, la confrontation directe, on va sûrement arriver au point où on va pouvoir absorber même peut-être jusqu'à plus de 3 bosses à la seconde, ce qui va être extraordinaire avec de très gros sauts.
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous ayez beaucoup apprécié ces images. Et maintenant, c'est à vous de faire de même. Et peut-être va-t-on se retrouver un jour au travers des plus belles compétitions de la Coupe du Monde, partout à travers le monde. Au revoir et à bientôt. Je me régale. Excuse, es-tu correct?